c'est un plaisir le matin d'écouter les oiseaux, et ça nous fait du bien comme un air de piano, ces petits musiciens qui nous font ce cadeau. On n'a jamais connu ça, il fait si beau dehors, dur de rester chez soi, plus personne ne sort, on a peur d'un faux pas et toucher la main de la mort. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent, isolés dans le froid, encore pour quelques heures. Tous les cris des ambulances ont changé notre vie. Sans aucune défense contre cette saloperie, c'est la guerre du silence, sans jamais voir l'ennemi. C'est encore un autre jour pour les médecins fatigués. Ils n'ont pas tous les jours les outils pour soigner. Ceux qui attendent les secours ne seront pas toujours sauvés. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent, partis seuls dans les bras des infirmiers qui pleurent. Et tous les professionnels qui nettoient les trottoirs en vidant nos poubelles, protégés d'un mouchoir, sans faire dans la dentelle et tout jeter sans histoire. Ne plus se laisser envahir par les voitures, les avions, arrêter de vomir tous les jours ses poumons, commencer à grandir sans mondialisation, mettre les pendules à l'heure, affronter les milliardaires sans la folie des grandeurs, garder les pieds sur terre et retrouver son cœur en caressant la terre, en caressant la terre.